Bonjour tout le monde, bonjour mes abonnés. On se retrouve aujourd'hui par une nouvelle vidéo. Comme vous voyez, il fait très froid. On est au mois de novembre. On est 2 novembre, il fait très froid en France. Voilà, regardez, ça c'est derrière mon jardin. Juste pour montrer l'auto, comme quoi il fait très 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 froid. Je dis pourquoi pas. On va se faire quelque chose qui va chauffer le cœur. Excuse-moi. L'haricot blanc sec. Voilà, c'est la reine des verts comme une soupe. Voilà, ça c'est l'haricot blanc. Les filles. Que j'ai trempé toute la nuit. Voilà, que j'ai trempé toute la nuit de l'eau. Pour que ça facilite la cuisson. Ça facilite les cuissons. Voilà. Voilà, j'ai bien de goûter, nettoyer, voilà, tout est parfait. J'utilise avec ça les carottes. C'est pas obligatoire, mais il y a des gens qui font ça, il y a des gens qui ne font pas. Donc moi j'adore les carottes que je coupe comme ça en dés. Les oignons que j'ai émincés aussi, pareil. Voilà. Les céleri. Ben, les céleri aussi, c'est pas obligatoire, mais ça donne un bon goût avec l'haricot blanc. Voilà les filles. Les tomates que j'ai coupées. Un petit dé aussi, pareil. L'ail. L'ail aussi. Deux ou trois gousses d'ail, les filles. Ça dépend, vous voulez deux ou trois, ça dépend. Tomates concentrées. Une cuillère. Une cuillère jusqu'à une cuillère et demie. Mais ça suffit, une grande cuillère, ça suffit. Hein. Voilà. Les épices. C'est le persil. Kima. Le poivre noir. Un cube de Knorr. Un cube de Knorr avec le safran. Le petit là. Le petit là. Je l'ai acheté au Maroc, mais ça, on peut trouver ça dans les grandes surfaces. Un Knorr, voilà, et le sel ça se voit ici, voilà, et l'huile d'olive, vous pouvez mettre aussi l'huile de tournesol, les filles, et aussi vous pouvez mettre les cuisses de poulet ou la viande ou la dinde, chacun y met ce qu'il veut, ça dépend si moyen. Moi j'ai pas de viande en ce moment, je mets ça. J'ai fait un truc simple, les filles, hein. Pour faciliter les choses à les gens qui n'ont pas de moyens, comme moi. Les filles, j'ai mis tous les ingrédients, comme vous voyez, l'haricot blanc, les épices, les tomates concentrées, les oignons, les carottes, etc. Et là, je le mets dans la cocotte et je le mets à peu près 1 litre d'eau jusqu'à ce qu'il dépasse ici. Les filles, vous mettez l'eau froide, pas l'eau chaude, jusqu'à là et vous mélangez tout. C'est très simple, vous voyez là. Simple, et vous allumez le feu à peu près 25 jusqu'à 30 minutes. Après vous regardez s'il est cuit, s'il n'est pas cuit, vous rajoutez un petit peu. Voilà, c'est facile. Les filles, là je vais vous voir si l'haricot sec il est cuit ou non. On regarde là. Là, apparemment, regardez. Regardez. Le toucher un peu avec mes mains. S'il est cuit ou non. Regardez, là, il est très cuit. Voilà. Alors, là, il est très bon. Il manque pas de sel. Si vous voulez rajouter la rissable, le piment vert, piment fort, excuse-moi, vous pouvez. Là, j'ai préparé juste pour la décoration. Voilà. J'ai déjà préparé une fois, mais un jour je vais faire en vidéo. Dans un beaucoup là, les préparer quand j'ai besoin, je prends. Là, il me manque juste à faire la présentation. On se retrouve tout à l'heure. Les filles, voilà l'haricot sec qui est prêt. Je l'ai présenté dans un tagine. J'espère que ça vous plaît. Vous aimez un like et vous partagez avec les amis, la famille. Si vous aimez, vous mettez un commentaire. Pourquoi pas? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Et merci à tous mes abonnés et merci à tout le monde, tous les gens qui ont participé, qui ont aidé.
mes vidéos, ils sont parfaits. Je les fais avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'expérience. Et merci à tout le monde.